et yo dormi avec timon yo, yo parler ensemble avec yo et ensuite faire peut-être capable dire apprendre timon yo quelques mots en savoir vivre et ensuite pour yo capable répondre avec des besoins prioritaires que timon yo gain besoin. Mais nous-mêmes dans centre d'accueil, nous toujours prend initiative pour nous parler, pour nous dégager sentiments nous, surtout gens sans plan lagué, gens manqué, gens manque un paquet de bagages. Et nous avons remarqué dans le domaine de la gentille, vraiment, nous avons besoin de manger pour nous manger chaque jour. Mais je n'ai pas besoin de mettre sur nous, ce n'est pas aussi facile. Et ça fait nous demander, en pile monde qui a regardé, en pile monde qui s'arrive sur nous, pour nous penser avec ça qui est le centre d'accueil de Carrefour, que l'État a abandonné. Nous dit si nous avons grand monde demain, c'est vrai. Mais je dis, il faut que nous préparions ce et pour nous venir un bon grand monde demain. Non, pas c'est Idiel d'Afèche Sémi. Moi, c'est infirmière et qui gagne en maîtrise en cours en santé publique. Ok? Moi, c'est PDG organisation Fléchisseur Global Communautaire FLGC. Je suis capable de dire oui, moi, je suis satisfait parce que nous avons une chance. Nous allons manger avec Timounio parce que là nous venons, Timounio tellement de content avec nous pour ça parce que nous disons nous allons faire manger pour nous. Nous tenons la cuisine. C'est que moi, Timounio, t'as regardé sur les autres qui t'as souffri et à manger jeudi et jeudi ensemble avec nous. Que moi-même, je suis capable de dire nous satisfait. Nous disons bon Dieu merci parce que nous avons une possibilité encore à vivre. Et il va nous le souffle de vie, qui c'est un grâce qui mérite, il va nous la santé. Et nous disons bon Dieu merci d'être celui qui nous lâche de aujourd'hui là, pour que nous puissions vivre une bail pour que tu supportes nous avec tout le monde qui nous d'accueil. Parce que à première vue, nous avons que le problème de tout le monde, alors ça fait quelques temps, nous avons un problème de tout le monde sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas bien vite et bien nous avons cette initiative là. Alors, organisation de cette initiative pour qu'elle soit capable de vivre avec Timounio, pour te supporter pendant un week-end. Alors, nous, là, depuis jeudi, nous allons manger, nous avons des choses pour au souper. Et puis, matin, nous allons déjeuner et puis nous allons dîner ensemble avec nous. Et à ce moment-là, nous allons souper pour nous capables de faire. Alors, on dit que nous allons manger, c'est temporairement. Est-ce que nous, au niveau de l'organisation, nous comptons pour nous avoir des accompagnements de manière constante? Justement, nous pensons à accompagner vers l'école professionnelle parce que nous avons un pile qui est vraiment grand. Proche d'âge, c'est de 5 à 23 ans. Mais nous avons dit que nous avons terminé l'étude, qui n'a pas un lien pour le faire. Et seulement, témoignage, il y en a qui disent c'est parce que après bon Dieu, c'est parce qu'il y a une volonté qui fait là dans ce d'accueil là et qu'il doit choisir nos vrais chemins. Et bien nous-mêmes, FSGC, nous prenons l'initiative pour que nous soyons capables de mettre et planter un centre professionnel dans ce centre d'accueil de Carrefour. Côté que nous allons mettre plusieurs métiers sous pied, ok, côté que 199 timons après gagner à l'avenir, nous mettons en main. Parce que nous, si que nous ne pouvons pas accompagnement, ça, nous, c'est sûr et certain, après quelques années, okay? Après quelques années, c'est des menaces pour la société. Alors, on parle de menaces pour la société, on est capable de voir qui ça nous dépend. D'accord? Ça veut dire, dans quelques années, on est capable de gagner des 199 menaces pour la société. Eh bien, nous prenons l'initiative là pour que nous capables à l'avenir 199 professionnels à la gloire de Dieu. Je tiens à le venir manger, certainement, ça a livré un coût. Oui, qui côté en fait, pour ça sortir combien de temps? Ok, alors nous venons manger ensemble avec Timounio. Pour ça, il n'est pas sorti de l'État. Nous, à
capable de profiter, saluer tous les amis et remercier tous les amis qui ont participé ensemble avec nous, qui ont fait des contributions en nature ou en espèce pour que le programme soit capable de réaliser sous bannière FLGCIC, fléché, soins global, communautaire. Ok, l'organisation ça nous existait depuis 2019. Ok, nous œuvrons dans la zone Fayo, du côté de Miragouane. D'accord, nous faisons des activités communautaires. L'objectif nous c'est arriver à joindre les gens qui puissent en extrême pauvreté, les gens qui puissent pas capable. Alors c'est à Moun Sayo que nous baissons le service. Nous. Ok, le message que nous avons déployé, c'est d'encadrer Timounio. Parce que nous avons dit, la situation du pays, nous, c'est face à Timounio. Le pas pour l'engagement, le l'État pays nous, pas pour un, ça en charge. Il va prendre si nous qui dans la rue en charge, et bien nous capables de dire, et bien pays nous, pas qu'à vivre l'autre façon que gens passent dans la ville, je ne j'en dis là. Okay? Ça veut dire, on nous prend si nous en charge, même encadrer, même que nous pas capables de satisfaire à 100% et tout profiter, nous cap garder nous, et profiter à quelques instants. Comment on est capable d'aider l'organisation ça, pour que nous capables de faire plus gros travail à l'avenir parce que nous déjà dit nous avons un plan d'école professionnelle, nous sommes d'accord. Là, ce n'est pas un fond que nous gagnons pour ça. Mais nous sommes capables de dire que c'est des demandes que nous allons faire auprès des amis, okay, auprès des instances qui répondent nous, okay, pour que nous capables de mettre l'école professionnelle ça soutient pour que à la fin capable d'avoir des professionnels dans la société haïtienne. Avancez, vous pouvez avancer.